Salut à tous. Alors on va faire un petit test produit. J'ai récupéré donc un colis. Bon, je l'ai déjà déballé en fait parce que j'ai déjà commencé à le faire et j'ai regardé les tarifs pour le coup. Donc, comme je te disais, je vais pas regarder. Je sais que on a payé donc 500 points, donc ça arrive comme ça, tu vois. Plutôt bien emballé. Clairement, je trouve que ces deux rangements sont très simples, mais pas hyper pratiques. Donc j'ai regardé, ils coûtent 26 euros les deux chez Tesla. Bon, c'est pas délirant, mais bon, c'est quand même quelque chose qui se fait très simple. Je pense que ça doit sortir à quelques centaines de centimes sorti d'usine en Chine, puisque c'est fabriqué donc en Chine. Donc ces deux choses-là, moi j'avais payé, donc j'ai re-regardé donc sur AliExpress, j'avais pris donc ça. Par contre, tu vois, la qualité était vraiment pourrie, donc il était un peu pincé, arrivé un peu défoncé. Franchement, pas bien livré. J'avais pris cette partie-là. Donc ça coûtait assez cher pour ce que c'est. Bon, c'est pratique, tu vois, en fait, tu mets une petite boîte. Bon, au final, c'est chiant parce que ça... Ma femme me fait chier avec ça, en fait, ça... Qu'est-ce qu'il m'a foutu là-dedans? Putain, m'a foutu le bip de la voiture. Bon, en fait, ça fait que se balotter. Bon, je vais lui laisser ses merdes, mais bon. Et donc, celui-là... Par contre, ceux-là sont très profonds. Ils sont, c'est horrible à dire, les accessoiristes, ils pensent plus, mieux que Tesla. Plus celui-là, donc les 4, j'en avais eu pour 36 euros livrés. Tu vois, donc je ne saurais pas te détailler, c'est à peu près, je crois, 8 euros l'unité. Donc 8 et 8, 16. Donc pour moins cher, quand même, a priori, mieux. Donc voilà pour ce test produit. Il est certain que si tu n'as pas de point pèlerinage, on peut pas conseiller d'acheter ces petits produits-là. En fait, c'est si tu veux un rangement ultra basique et que tu veux mettre et tout dedans. Je vais te montrer donc comment et ce que j'ai fait donc pour les utiliser. Ouais, moi clairement c'est le retour en fait que j'ai. Ouais, par rapport à Tesla. Par contre, c'est plutôt bien fini. C'est peut-être plus propre, c'est un petit peu mieux fini, tu vois, sur ces parties-là. Voilà. Mais tu te rends compte que c'est vraiment très fin en termes de matière par rapport à l'autre. Il y a deux fois moins de matière, donc et c'est deux fois plus cher, donc logiquement. Et puis thermoformé d'une manière vraiment très simple. Enfin, c'est basique. Voilà. Donc je les ferai pas forcément gagner ou peut-être. Là, il n'y a pas beaucoup de tirage, donc pour le mois de décembre, c'est juste énorme. Mais je suis content de les avoir pu les avoir essayés. Et ce qui me prouve juste, c'est horrible à dire ce que je vais dire, mais que je comprends pourquoi en tout cas AliExpress ou Amazon fait mieux, en tout cas les accessoiristes font mieux que Tesla, parce que bon, mettre 26 euros dans deux petits accessoires comme ça, je pense que ça fait un petit peu cher, quoi. On va faire en fait un test. Je tenais d'ailleurs tout d'abord à vous remercier donc pour les parrainages. Pour le coup, aujourd'hui, donc en ce samedi, est tombé donc celui de Zoé qui s'est transformé en Julien. Donc je pense que ça doit être son époux ou son épouse, vice-versa. J'ai bah, aujourd'hui, si j'arrive à faire le montage en même temps, donc je vous remercierai. Donc j'ai commandé bah, pour les enfants deux t-shirts parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose. C'est ce que je t'avais dit donc dans la boutique. De toute façon, on peut même pas prendre les t-shirts pour hommes parce que en M, L ou je crois même XL, il y a pas de taille. Quoi dire d'autre? Ça fonctionne, c'est parfait. Ma femme est dégoûtée parce que après avoir perdu le blouson ou la veste, il y a plus long plus le sac. C'est vrai que le sac était magnifique pour 7500 points. Et j'ai commandé donc, j'allais dire sur Amazon. Non, j'ai commandé Made in China. Donc on va le voir sur tous les coutures. Tray, console, Bumble, M3, MY. Parfait. Donc, petit clip ici, c'est vraiment très bien emballé. Donc je suppose que qu'on commande avec des points ou qu'on commande en boutique. Je vais essayer de redonner combien ça coûte. Par contre, je les trouve très basiques. Vraiment, ils ne sont pas du tout élaborés. Je ne sais pas où ils se mettent. C'est pour ça qu'on va découvrir en même temps. Tu sais qu'avec moi, honnêtement,
C'est la découverte, c'est ça qui est important. Donc celui-ci, c'est un AliExpress, je l'ai vraiment pas payé cher, je crois. Je pourrais te retrouver les infos. Encore une fois, je ne fais pas la promotion d'AliExpress si j'arrive à l'enlever. Putain. Ça y est. Non, c'est pas putain. Dis maman, maman travaille, c'est pas possible. Alors. Attends. Quand je donnerai un coup d'aspi. Donc, en termes d'aspect, alors je ne sais pas si ça sera. Celui-là, nom de Deus, ça doit être celui-là. J'ai quand même vérifié. Ou celui-là. Non, c'est ça. Celui-là est plus incurvé, donc il doit aller derrière. Donc celui-là. Okay. Ou alors tu vas peut-être pouvoir le mettre dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un petit peu moins élaboré ceux de Tesla, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est juste que c'est différent. Celui-ci, tu as vu, tu mets, t'engages. Et il est moins profond, par contre il est, je trouve, pour le coup, mieux fini. Après j'avais vu qu'il y avait des infos ici, comment c'était fait, je crois que c'est sur l'autre. Ouais, c'est du PP, voilà. Non, pas PP, PP plus EP DPM. Voilà les informations Tesla. Donc, sacrée différence quand même. Entre les deux, je préfère finalement quand même celui-là où en plus je mets la carte. Donc, clac. Donc, logiquement, je les ferai gagner. En plus, il se coulisse. Et franchement, il est mieux fait que le Tesla, quoi. C'est quand même fou, quoi. Franchement, regarde, tu peux, pour le pousser, il est moins classe. Hein. Oh, et il est pas donné, je crois. Hein. Donc, là, clairement, pour celui de devant, mis à part que, il est peut-être un petit peu moins feutré, et ben, celui d'AliExpress. Et plus pratique. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La preuve que je vais te remettre les prix hein, du Tesla. Ça, tu regardes, tu peux mettre ça comme ça. Enfin, il met son truc là. Et puis ici. Donc voilà pour cette première partie. La seconde. Donc là, en plus, nous, on avait pris ça, c'est parfait. J'ai mes lunettes ici, c'est pour ça que j'ai pas pris le truc là. Tu vois, regarde, ça a fait des traces. En direct live, on va nettoyer ça. Je vais de toute façon, en fait, je vais accumuler, si on peut dire, quelques cadeaux. Et comme je t'ai dit, on essaiera donc de se rencontrer et faire une petite partie et essayer donc en même temps. Alors c'est ça qui est très bien chez Tesla. Moi qui ne suis malheureusement plus du tout maniaque avec mes voitures, ça, un coup de lingette, ça se nettoie d'une facilité. Il n'y en a pas partout, tu vois, donc ça se nettoie très rapide. Celui-là, je trouve pareil, top. On l'avait eu donc sur AliExpress. Et puis regarde, donc déjà, il y a une découpe ici, hop, là. Et donc, quand on veut communiquer avec les enfants, si on n'a pas pris les téléphones, on a les talkie-walkie. Alors, logiquement. Bon, ça doit se mettre comme ça. Il est pas mal, mais alors pourquoi en fait avoir laissé le trou? Je suppose que c'est pour pouvoir insérer. Alors attends, je vais pas enlever le chauffage. Voilà. Eh ben dis donc, hein, quand même. Hein. Celui-là aussi est vraiment très bien, très profond. Celui-là, voilà, est beaucoup plus petit. Alors, il a un avantage, c'est qu'il est moins profond. Mais par contre, il en donne moins, quoi. Alors là, en plus, tu dois pouvoir mettre tes petites pièces, tes trucs. Bon, t'as vu la différence quand même de taille. C'est fait en quel matériel, ça? Alors, par contre, il est peut-être, en termes de qualité, il est plus raide. Ouais, plus raide. Ah, quoi que. C'est pas. Non, c'est. Kif kif bourrico. Bon, moi en tout cas, je vais regarder le tarif. Je vais même te reprendre juste après. Tu vois, donc il est quand même largement mieux celui-là, je trouve. Hein. Mais je n'en avais pas eu pour très très cher. Donc ce qui est bien, voilà, avec AliExpress pour le coup, c'est qu'on en a quand même donc pour son argent. Pas toujours, ça dépend sur les choses. Petit bonus. Et. Le truc est complètement mouillé, le gars DHL, je te jure. Heureusement, c'est resté pas longtemps, on est samedi. Franchement. Toc! C'est sympa. Ah bah si, là, il y est plus maintenant, je crois, celui-ci pour enfant. Je suis jeune. XS. Ah si, elle lui a pris en XS, c'est vrai. C'est sympa, écoute.
franchement. Tu vois, vous avez fait des heureux. La preuve que c'est utile. Attends, je vais t'ouvrir. Attends, t'as qu'une main. C'est pas facile. Hop. Sympa, hein, la qualité est pas mal. Hein. Ça, c'est pas hyper travaillé, par contre. Bon. XS aussi. Ah, je pensais qu'elle avait pris un... Bon, ça, c'est pour mon fils, tu vois. Donc, c'est pour mon grand. Il a 12 ans. Il a 10 ans, mais on l'a mis en 14. Donc, bah, écoute, il va être très content. Hein, je pense. Donc là, elle est partie au théâtre. Là, je vais lui montrer ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, le second. Voilà, parce qu'à l'école, des fois, tu vois, il est ringardisé. On lui dit, non, mais c'est pas possible. T'as pas un Porsche Cayenne, t'as pas une Tesla, t'as pas machin. Il faut montrer. On montre aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux pas prendre quelque chose juste par plaisir. Il faut pas que tu aies du plaisir, il faut que tu aies du plaisir à travers les autres. Et pas du plaisir juste pour toi. Bon, après, voilà, je suis pas un fanboy, mais c'est sympathique. Bon, le t-shirt est assez basique. Oh, j'ai du mal à le déplier. Voilà. Le flocage est sympa. C'est de la bonne qualité. Par contre, le tissu, franchement, ça, on me l'a fait pas. Made in Pérou. En tout cas, j'ai bien senti au niveau, mais vraiment de l'épaisseur du t-shirt. Tous les t-shirts aujourd'hui, c'est vraiment une qualité de merde. C'est très, 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 très fin. Et là, j'ai retrouvé pratiquement, chez Porsche, par exemple, à un moment donné, ils faisaient c'est du Made in Portugal, les polos. Faut voir la qualité. Et même si l'échancrure là est, voilà, là, on va peut-être la voir un peu mieux comme ça, tu vois, et pas hyper jolie. Par contre, tu sens que c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, je t'ai repris donc Made in Pérou. Derrière, ben, voilà, très sympa. Et ben écoute, ça me donne envie d'acheter finalement le suite, je trouve, parce que vraiment, tu le sens, vraiment la matière, tu sens que c'est simple, mais efficace. Donc c'est du Tesla. Et ben écoute, c'est cool.